Technique de cuisson au four pour rendre votre poulet blanc très savoureux. Nettoyez, découpez votre poulet. Vous allez prendre de l'ail que vous allez râper là-dessus. Utilisez un oignon violet et puis râper là-dessus. Mettez du persil séché, vous pouvez prendre le frais aussi. Ajoutez de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, du poivre que je vais rajouter là, ici, du sel. Ajoutez un peu de gingembre en poudre. Si vous avez la pâte de gingembre frais, c'est bon. Ajoutez un peu de curcuma si vous en avez et puis mettez un peu d'huile. Ici, c'est l'huile de coco. Et puis mettre dans une casserole et puis mettre à ébullition sans eau. 10 à 15 minutes. Quand c'est prêt, vous éteignez votre feu. Dans une bassine, découpez votre oignon et puis votre tomate que vous allez venir assaisonner avec les mêmes assaisonnements que vous avez utilisés pour le poulet. Voici un condiment vert qui vient du Bénin. Je ne connais pas le nom. Mes abonnés, s'il vous plaît, dites-moi quel est le nom des gens du Bénin. Je vais ajouter ici à mes légumes. Vous pouvez prendre le gingembre si vous voulez. Comme je vous ai dit là, je vais mettre les mêmes éléments que j'ai mis sur le poulet. En plus de certains éléments que je vais ajouter, comme le piment, le paprika, la moutarde. Voilà, ici c'est le paprika. Ça, c'est un peu de sel. Je vais ajouter la moutarde et puis de l'huile. Vers la fin là-bas, je vais rajouter du piment parce que j'aime quand c'est pimenté. Mélangez le tout et puis quand le poulet est cuit, vous venez renverser à vos légumes. Si c'est le piment, vous mélangez le tout comme je suis en train de faire là. Vous mettez un peu d'huile si vous voulez, mettez un peu d'huile même. Avant d'étaler ça sur, comment on appelle, un plat qui va au four. Voilà. Vous mélangez le tout correctement. Vous goûtez l'assaisonnement, vous rajoutez. N'oubliez pas la moutarde. Maintenant, vous mettez ça sur un plateau qui va au four. Et puis, vous laissez cuire pour 20 à 30 minutes par là. Veillez à ne pas brûler. Voilà. Bon appétit.